Excusez-moi si je parle beaucoup. Mais je viens de subir un très gros choc. Et le médecin a dit que je devais parler pour sortir ça. Vous avez entendu parler de cette histoire d'une femme qui est restée toute la nuit de la Saint-Sylvestre, enfermée dans un supermarché. Eh ben, c'était moi. Quand ça m'est arrivé, je me suis dit, ça y est, c'est encore une fois pour ta fraise, la quiche de service. Déjà que j'ai pas eu une bonne année 2011. Ben oui, c'est l'année où mon mari m'a quittée. Mais je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Parce qu'il a dit, je reviens. C'est qu'en 2012, comme il revenait pas, qu'à un moment donné, j'ai compris qu'il n'était pas revenu. C'est génial. C'est bizarre, savez, ce qui m'est arrivé. Comment c'est arrivé? Bah, bêtement. En fait, à un moment donné, j'ai dû aller aux toilettes. Et j'ai dû aller aux toilettes parce que j'ai dû aller aux toilettes. Et quand je suis sortie, il n'y avait plus personne. Tout était vide. Tout de suite, j'ai pensé, une alerte à la bombe. Parce qu'un jour comme celui-là, c'est pas normal, t'as toujours du monde. Alors j'ai crié pour manifester que j'étais là. Et j'ai crié, eh oh! Eh oh! Eh oh! Eh oh! Allez, bye. Là, je pouvais pas faire plus ça. Hein. Et personne m'a répondu, c'est normal, puisqu'il y avait personne. Mais je m'en suis pas rendu compte tout de suite. C'est quand j'ai vu que toutes les lumières étaient éteintes, que là j'ai compris, et je me suis rendu compte que tout le monde était parti, me laissant seule avec personne. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je pourrais plus vous dire. C'est difficile à dire. Ben, j'ai un petit peu tourné sur moi-même. Et puis je me suis souvenu que j'avais des surgelés. Après quelques heures, j'ai été les remettre dans le frigo. D'autant que j'avais pas eu l'occasion de le payer, puisque en fait les caisses étaient fermées. Et puis j'ai été m'installer dans le rayon côtelettes. Et le reste de la nuit, j'ai fait des sudoku jusqu'au lendemain matin. C'est le directeur qui m'a libéré à 10h30. Il a eu peur. C'est normal, j'étais pas coiffée. Et il m'a dit, qu'est-ce que vous faites là? J'ai expliqué. Et il a dit, et l'alarme a pas fonctionné. J'ai vu que ça l'a énervé. Il a pris son portable et il a téléphoné à quelqu'un. Et quand j'ai vu qu'il prenait son portable, je me suis rendu compte que j'en avais eu un aussi. Mais j'ai pas pensé à l'utiliser. Après, il m'a demandé si j'avais pris ou bu quelque chose. J'ai dit non, j'ai arrêté la boisson. Alors, il m'a dit, je suis désolée, mais on va devoir vous fouiller, c'est le règlement. J'ai dit que j'avais rien contre, mais que j'étais pas pour. J'étais un peu gênée parce que j'avais pas eu l'occasion de rentrer et de prendre une douche. C'est alors que la télé est arrivée et une dame très gentille m'a demandé si je voulais bien lui donner une interview. J'ai dit que oui, mais que c'était après la fouille du règlement parce que c'était le règlement. Et elle m'a dit, on va vous fouiller. Et là, le directeur est devenu très gentil. Il s'est rendu compte que j'aimais pas parler à la télé et il a dit, non, elle a pas besoin d'être fouillée, on va emmener madame chez un médecin pour faire un ketchup.
Et on va faire une enquête parce que ce qui s'est passé est inadmissible et des têtes vont tomber. Et là-dessus, il a ajouté, mais madame est la bienvenue et pendant un an dans notre supermarché, elle pourra tout acheter sans payer. Et là, j'ai dit, les jours fériés aussi. Et là, il a dit, les jours fériés aussi. Et depuis, ma vie a basculé. Tout a changé. Ma maison, qui était toujours vide, ne désemplit pas. Le téléphone arrête pas de sonner. Mon chat est revenu. Des neveux que je ne connaissais pas. Oui, puisque je suis fille unique, je n'ai pas de frères et sœurs. Viennent prendre le thé régulièrement chez moi. Alors, depuis que j'ai des amis, c'est moi qui fais les courses pour tout le quartier. Oui, pour moi, c'est gratuit. Alors, autant faire plaisir à tous ces amis. Qui s'offre une belle lettre telle et des bigoudis, une bande de carottes, du sucre candy, des courgettes de sucette et du charolais, une traîne, des épingles, du mot pour minet. Qui s'en fout du potage, du fromage et des haricots, des pois chiches, du hachiche, de la tête de fou, des amandes, de la limande et un robinet, de la colle, des casseroles, du mot pour minet. Qui s'en fout, la 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 la, un kilo d'oignon, la 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 la, et un gros jambon, la 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 la, du beurre et du thon, la 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 la, du mot pour minet. Qui s'en fout, du mot pour minet, qui s'en fout, du mot pour minet, qui s'en fout. Inimitable, et elle est chez nous, c'était Zidani. Zidani, vous serez du 5 au 16 mars prochain à l'espace MAG de Bruxelles dans votre nouvelle création Retour en Algérie. C'est bien ça ? Oui, tout à fait, et les infos sont sur mon site www.zidani.be. On aime Zidani, on aime ses sketchs et on aime quand ça se termine en chanson. Mais est-ce que le jury est d'accord avec ça ? Oh, à mon avis, oui. Quelle est la note de Michel Bernier ? C'est un 20. Merci Michel. Éric Métayer, c'est un 20. Catherine Darmar, c'est un 19. Et Jean Bendigui, c'est un 20. Ça fait quand même de très bonnes notes. Vous avez tout pris dans le supermarché et là, vous avez aussi pris que des bonnes notes. À part super. Catherine, 19. Oui, j'ai regardé Catherine. Toutes les notes que j'ai mises à Zidani. Aujourd'hui, j'ai mis 19 parce que je mets tout le temps des 18 et des 20. Elle est exceptionnelle. Ma note n'a rien à voir, on s'en fout. Elle est exceptionnelle. Elle est là, elle se met, elle fait rien. C'est même pas le texte, quoi. C'est le personnage. Vous avez un pouvoir comique extraordinaire qui sort tellement de l'ordinaire. C'est vrai que dans cette émission, des fois, on a des gens qui débutent, qui sont plus ou moins bons. Et là, alors, quelle bouffée d'air, quelle bouffée d'oxygène. Vous êtes exceptionnels. Pardon pour mon 19. Catherine Darmas s'excuse pour son 19. En revanche, Jean, vous avez mis 20, carrément. Moi, elle me fait chialer, cette fille. Qu'est-ce que je dis ? Elle a un tel talent, une telle force d'émotion. Je ris, je pleure en même temps. C'est un personnage unique, quoi. On a une chance exceptionnelle de la rencontrer ici. Il faut la remercier d'être là, de venir de Belgique pour nous ici. Je trouve que c'est une femme magnifique, voilà. Et c'est tout, ça vaut 20. Et j'ai rien à dire. Merci. Eh ben, mon jeune homme. Éric Métayer, vous aussi, vous avez mis 20.
Oui, je dirais la même chose que Jean. Merci d'être là, au contraire de ce qu'on pourrait dire. Merci au jury de nous mettre des notes et merci de nous... Je vous dis merci à vous d'être là parce que vraiment, vous nous faites un énorme cadeau de venir. Enfin, il n'y a pas de notes, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un truc... Vous êtes... C'est hors... On met des notes parce que voilà, quoi. Bon, mais... on va faire l'inverse. Zidane, c'est vous qui allez mettre des notes au jury ce soir. Non, allez. Non, mais pour vous, je veux dire, vous êtes un être d'exception. Vous êtes une femme incroyable. Je suis un peu comme Jean. C'est-à-dire que moi, je suis à la fois... J'ai envie de pleurer, de rire avec vous. Vous arrivez avec des personnages comme ça qui sont d'une telle intensité, d'une telle force. Tout est tellement juste et... C'est poétique, c'est drôle, c'est... Enfin, je sais pas, vous êtes vraiment incroyable, quoi. Je pense que certainement que vous êtes une femme très observatrice, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire observer les autres pour mieux les aimer et pas pour les détester. Et je pense que c'est ça, votre force, Zidane. Bravo. Merci, Michel. Merci, Michel, pour ce joli commentaire et merci pour tous ces compliments sur le travail de Zidane. On va faire le total des notes, hein, puisqu'elles sont bonnes, autant en profiter. Allons-y, ça nous donne combien à l'arrivée? 79 merci. Points. Et ouais, vous voulez dire quelque chose? Je profite pour remercier aussi toute l'équipe de production, les conseils, Émilie, Sophie, Claire, et puis aussi l'émission, parce que je m'amuse bien, en fait. Donc, c'est très bien. Ça, c'est cool. Moi aussi. Ça, c'est cool, j'adore ce genre de commentaires. 79 points, c'est donc le total des notes attribuées par notre jury. Mais combien le public va-t-il vous attribuer pour cette performance, pour cette nouvelle prestation? C'est ce qu'on découvre tout de suite avec votre note finale. 79 plus 18, 97. Merci infiniment. On appelle ça un carton, merci beaucoup Zidane. Pour découvrir toutes les exclusivités de notre chaîne YouTube, plein de contenus inédits, c'est très simple, il vous suffit de vous abonner et de cliquer là, ici. Facile, non ?